On vit ça, on respire Bocuse d'Or, on est dans ce cercle depuis 2 mois quasiment sans lever la tête. Lundi prochain, cette jeune prodige peut marquer l'histoire de la cuisine française. À 16 ans, Naïs obtient son bac avec une mention très bien. Elle termine ensuite diplômée de l'Institut Paul Bocuse en étant majeure de sa promo. Elle est désormais la première femme à représenter la France au Bocuse d'Or. Toute la profession m'a soutenue là-dedans, dans ce choix-là, dans ma participation. Les chefs ont été avec moi, ont été derrière moi. Et le fait que je sois une femme n'a jamais été une question, en fait. Le concours a la volonté aussi de mettre en avant aussi les femmes chefs. Maintenant, ça vient tout seul, ça prend du temps. Le changement prend toujours du temps. Mais on est là, on a notre place et on est accepté surtout. Donc allons-y et ayons confiance en ça. Naïs sera la plus jeune chef de cette édition. Elle sera face à 24 nations, toutes représentées par des hommes. Malgré son manque d'expérience, l'espoir de la cuisine française mise sur l'insouciance. Oser faire les choses, on va dire le maître mot, et un des maîtres mots de l'Institut Paul Bocuse aussi, c'est oser saisir une opportunité, oser croire en ses rêves, oser faire des choses, et au pire, on se plante et on se relève, c'est pas gênant. Mais quand je me suis inscrite aux sélections France, en gros, je me suis dit, t'as rien à perdre, au pire, t'y arrives pas, c'est normal, hein, et si t'y arrives, là par contre, t'es un peu dans le, va falloir bosser, mais c'est que du bonus. Pour remporter ce concours international, il va falloir dans un premier temps réaliser un menu pour les enfants autour de la courge. La deuxième épreuve consiste à préparer un plateau pour 15 personnes à base de queue de lotte. Tout ça en 5h30, montre en main.